tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps que je ne vous ai pas fait une petite guidance. Aujourd'hui, je vous propose deux choix. Donc, vous pouvez choisir par rapport à la première carte qui nous dit l'éphémère, qui nous parle d'accélération, d'opportunité. Dites oui, affirmation, je dis oui à la vie. Donc, derrière, il y a une guidance. Ou vous avez le côté le dragon. Initiative, intégrité, pouvoir, affirmation. J'exerce mon pouvoir avec bonté et dignité. Donc je voulais choisir soit l'éphémère, soit le dragon. Et je vous retrouve avec le tirage pour la présentation et l'interprétation des cartes. C'est à vous! Alors, avec l'éphémère, nous avons la compréhension. Le texte qui va avec l'éphémère, on vous dit. Lorsque vous sentez qu'il est temps pour vous de franchir une étape, n'hésitez pas. N'oubliez pas que les opportunités sont précieuses et doivent être saisies dès qu'elles se présentent. Agissez sans crainte et sans regret. Vous ne pourrez être vous dans cette vie et dans ce corps qu'une seule fois et pendant un temps limité. Alors vivez avec courage et passion. Cette prise de conscience doit vous emplir de gratitude et de volonté, de croquer la vie à pleines dents, accepter les nouveaux rôles et les opportunités qui s'offrent à vous et ayez confiance, vous trouverez votre chemin. On va regarder dans le petit livret la compréhension, ce que ça nous dit. Alors, hop. Donc, dans le livret, nous avons par rapport à cette carte. Donc, je vais bien la montrer. Voilà. On nous dit la compréhension ou la rencontre de la Lune et de Mercure. La compréhension est en analogie avec les significations des aspects de la Lune et de Mercure. On nous parle de réflexion, de discussion, de bon sens, de nouvelles que l'on reçoit ou que l'on donne, de diffusion des idées et de grande curiosité. Ensuite, voilà ce qu'on vous dit. On vous dit, vous êtes intelligent et compréhensif, vous devez bien réfléchir avant d'agir, vous fiez à votre bon sens, parlez de vos préoccupations, ou bien vous apprenez une nouvelle intéressante, ou encore vous avez une bonne idée, quelque chose à dire ou à communiquer. Donc ça, c'était pour le tirage éphémère. L'éphémère, pardon. Maintenant, avec le tirage du dragon, le message est « Ne craignez pas d'avoir du pouvoir. Vous pouvez être puissant et bon, affable, humble et bienveillant. Le vrai pouvoir permet d'accomplir de grandes choses. Il provient du cœur de l'univers et non de l'ego humain. Ne cherchez pas à être admiré ou vous attirer une profusion de reconnaissance et de respect. Vous possédez des capacités hors du commun. Le dragon vous montre comment les exprimer afin d'accomplir votre destin et venir en aide, aux êtres qui vous sont chers. N'oubliez pas que vous pouvez donner qu'à hauteur de ce que vous pouvez recevoir. Prenez le temps d'équilibrer et de revitaliser vos énergies intérieures. Et la carte est l'harmonie. Alors, l'harmonie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, hop. Donc, je vais reprendre la carte qui est ici. On nous dit l'harmonie ou la rencontre de la lune et de la balance. L'harmonie est en analogie avec les significations de la lune dans le signe de la balance. Le sens, par rapport aux mots-clés, on vous parle de éthique très développée, de goût des nuances, de justice, de choix, d'accord, de contrat, d'association. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit votre caractère aimable, sympathique, sociable dissimule une exigence, un attachement pointilleux aux règles, aux principes, aux normes. Attentif à l'opinion des autres, mais pas réellement influençable, vous rassemblez un maximum de paramètres avant de faire votre choix, de prendre une décision, ou de faire une opinion, ou de porter un jugement. Donc ça, voilà, c'était pour le tirage du dragon.
Là, on avait l'éphémère. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si il y a un des deux choix qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très grave. Comme je l'explique, ce sont des guidances générales. Donc, soit ça peut parler, soit ça ne peut pas parler. Ou vous prenez un petit peu de celle-ci et un petit peu de celle-là. Voilà, bah, j'espère que cette toute petite guidance vous aura fait plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.